Bonjour, je suis le docteur Olivier Jeunesse-Boyau, je suis le président du comité réanimation de la Société française d'anesthésie et de réanimation, la SFAR, et je vais vous dire pourquoi la société s'investit dans la lutte contre le sepsis. D'abord, le sepsis, c'est la première cause de mortalité en réanimation en France, mais également dans le monde. Et également, c'est une des causes importantes de complications après l'anesthésie générale. Or, nous pratiquons 12 millions d'anesthésies générales chaque année et environ 1% des patients présenteront un sepsis ensuite, ce qui fait 120 000 patients par an. Donc, c'est une cause majeure de mortalité et de morbidité. C'est pourquoi la Société française d'anesthésie et de réanimation, impliquée dans l'anesthésie, dans la réanimation et donc dans la médecine périopératoire, s'implique de façon majeure dans cette lutte à la SFAR. Tous les praticiens s'engagent dans la lutte contre le sepsis.